femme doit faire petite. Qui ça qu'a passé s'il fait petite avant l'heure ou bien après l'heure. Ces points ça on a bien pour développer dans la vidéo ça aujourd'hia. Moi j'espère vous rester regarder vidéo jusqu'à la fin et n'a capable apprendre en pile bagaille cap aider nous. Salut tout le monde, bienvenue sur channel Attention Santé. Non moi c'est Wilmick la Montagne. Moi content pour moi rencontrer nous dans vidéo aussi là. Si vous suivez nous pour la première fois, moi souhaite vous bienvenue ou dans zone côté pour recevoir et bon gens information. M'a mando abonner à channel là pour pas rater vidéo nous yo. Quittez un petit like et quittez un commentaire. Partagez vidéo nous yo avec amis, famille si vous tare mais yo joindre information ça yo tout. Ou même qui est sur ce channel là, moi voulais prendre petit temps pour me remercier. Merci parce que toujours supporter nous dans travail ça, merci parce que toujours partager vidéo nous yo, merci parce que toujours quitter un petit like, merci pour commenter yo. Est-ce que tu connais l'eau fait petit trop bonnet ou bien l'eau fait petit trop tard, ça a causé un pile conséquence sur la vie. En pile fois, il y a une femme qui fait excès, il y a enceinte trop bonheur. Comme ça, il y a une femme qui est enceinte trop tard. Et toutes les raisons, ça y a une cause que les testimonies ont fait avec problème. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais aller parler non de qui plus bon l'âge que une femme doit faire testimonie. Normalement, nous connaissons depuis la première fois qu'on fait former. Après li ovile, li prêt pour l'enceinte. Dans même premier mois ça li formé ya et mais quoi li pas réellement vraiment capable supporter une grossesse 9 mois. Ça avait dit depuis fille a fait ça li formé pour la première fois li ovile, donc li gen possibilité pour être enceinte dans même mois ça que le gagné 10 ans, 11 ans, il y a une possibilité pour les enceintes. Mais réellement, quoi, il n'est pas capable de supporter une grossesse 9 mois. Je n'ai pas expliqué la raison et puis devant. Avant de nous parler de plus bon âge une femme supposée faire du monde, et quittez-nous expliquer d'abord qui complications ou capable de joindre l'offre du monde avant l'heure ou bien l'offre du monde après l'heure et qui conséquences tout qui gagne le ou fait petit avant l'heure et après l'heure. On regarde qui conséquences qui ka gagne les femmes fait du monde dans l'âge adolescent et bas de 17 ans. Yo femme qui enceinte et yo ti moun nan l'âge qui pi bas que 17 ans, li gen ka gagne gros difficulté pour li pote ti moun nan nan vat li durant 9 mois. Gen an pile chance pour ti moun nan mouri nan accouchement et li ka gagne gros infection urinaire, li ka gagne zol qui fait gen zo fait mal, li ka gagne anémie, hypertension, la gagne un pile problème pour porter bébé en avant li parce que dans l'âge ça yo pelvien li ak zol li pa ko réellement capable pour supporter yon poids comme ça et la gagne difficulté tout surtout pour les ti moun nan a fait mouvement nan vant li. Yon moun ki ansèt à l'âge inférieur de 17 ans gen un peu chance pour ti moun nan fèt avant lè. Li gen chance pour ti moun nan fèt et ak yon pèz ki ba. Et gen un peu chance pour ti moun nan fèt avec deformation. Si maman gen moins que 15 ans, si bébé a gen chance fèt, li gen un peu de chance pour bébé à mourir sous première année de vie. Avant même que moi parle nous de plus bon l'âge que yon fille doit faire petite, on regarde pour nous ouais et qui ça qu'arrivé les yon fille âgée de plus de 35 ans, li rive enceinte, qui complications li capable gagner.
Une femme qui âgée plus de 35 ans a plus de difficultés pour enceinte que une femme dans l'âge inférieur de 35 ans. Et parce que quantité et capacité ovulio diminuer et puis tout ovule femme de 35 ans est plus difficile pour faire timoun. Si ou ta wè ou âgé de plus de 35 à 39 ans ou ta nan yon relation ou ta si mois passé que ou pas arrivé enceinte ou supposé consulter médecin ou pour capable déterminer et qui raison qui cause retard ça. Une femme qui âgée plus de 35 ans a plus possibilité pour les enceintes pour faire plusieurs petites tant qu'on mara ça. Face avec des changements hormonaux, ça ka fait ovule yo varier dans sens ça, moun ça li capable gen possibilité pour faire plusieurs ti moun à la fois. Une femme qui âgée de 35 ans a plus possibilité pour lui faire diabète gestationnel pendant l'enceinte. Et si diabète là n'est pas amélioré, a possibilité pour bébé à fête avant l'heure. Et la fête a des possibilités pour le faire très gros, ça capable présenter en pile complication pendant moment accouchement. Une femme qui âgée plus de 35 ans gagne plus possibilité pour faire hypertension pendant l'enceinte. Femme ça supposé toujours suivre et régulièrement médecin pour toujours contrôler évolution bébé a pour éviter complications qui ca présenter durant ou bien moment accouchement. Li gen possibilité pour ti moun la fête à qui on pèse qui bas bébé a cap fête et prématurément. Femme qui âgée de 35 ans gagne plus chance, alors femme qui âgée plus de 35 ans gagne plus chance pour accoucher par césarienne au lieu que couche normal parce que en pile fois si mon a kon rive koke bloqué dans matrice li donc c'est et césarienne capable aider. Femme qui plus âgée de plus de 35 ans gagne plus chance pour faire ti moun ak déformation tant kou yon syndrome ke yon rele syndrome de Down. Donc c'est image ça que n'a gardé là, ça c'est syndrome de Down. Donc c'est une déformation liée et femme qui âgée plus de 35 ans gagne en pile possibilité pour le faire ti moun yo comme ça. Une femme qui âgée plus de 35 ans gagne plus chance pour le faire avortement spontané, gagne pile possibilité pour bébé à fait tout mourir. Une femme qui âgée plus de 35 ans, si ou enceinte ou supposé manger aliment qui riche avec acide folique, calcium, fer, vitamines, minérales et nos façons pour capable aider Timonan développer très bien et pour éviter quelques complications. Selon la médecine, mais qui bon l'âge que une femme enceinte doit faire. Alors, mais qui bon l'âge que une femme doit faire Timon. À 25 à de 25 à 29 ans. C'est plus bon l'âge qui est recommandé pour une femme fait timoun. Pour qui ça? C'est de 25 à 29 ans. Et est-ce que pas gagne monde qui fait timoun dans l'autre tranche de l'âge qui rive réussir sans aucune complication? M'a capable répondre oui. Mais pour qui ça de 25 à 29 ans et c'est plus bon l'âge que une femme de faire petite. C'est parce que dans l'âge ça y a gain moins complications. Selon toute investigation dans domaine médecine là, femme qui âgée et de 25 à 29 ans gain moins et complications, moins problèmes là yo enceinte et que monde qui dans l'âge inférieur ou bien supérieur de 25 à 29 ans. Donc ou qui pas ko et gain l'âge ça qui à planifier pour gagner un bébé. Donc moi recommandé ou l'âge de 25 à 29 ans, c'est plus bon l'âge que vous capable arriver faire ti monde pour capable et joindre moins problème. Et moi pas dit
l'autre l'ajour que moun baga fè ti moun non ou ap kapab fè ti moun mais ap toujours gagné complication mais nan l'âge de 25 à 29 ans ou ap kapab joine moins complication donc selon la médecine de 25 à 29 ans c'est et pi bon l'âge qui recommandé pour yon moun fè ti moun. Si vous pouvez abonner avec channel là moi recommande pour faire ça connier a abonner avec channel là moi pour mettre m'a toujours porter bon genre vidéo pour capable aider nous donc moi espérer rencontrer nous dans une autre vidéo pareil sur remet travail là et quitte un petit like en bas vidéo pour nous dans ça qui concerne doute avec question ou capable quitter un commentaire avec plaisir n'a capable répondre nous n'a rencontrer encore dans une autre vidéo pareil bye bye ciao ciao.